Communiqué en rapport avec les manifestations consécutives à la recrudescence des massacres à l'est de la RDC. Depuis un peu plus d'une semaine, à l'appel des organisations de la société civile, des étudiants et des mouvements citoyens, une série de manifestations s'est observée dans toutes les villes et plusieurs cités de la province du Nord Kivu. Ces manifestations ont été farouchement réprimées par les forces de l'ordre, provoquant la mort de 7 compatriotes, plusieurs blessés graves et des arrestations arbitraires. À Goma, des fortes et inquiétantes tensions ont été observées depuis le samedi 10 avril 2021 et ont dégénéré en affrontements entre les communautés, entraînant 8 morts et plusieurs blessés, des incendies d'habitations, des actes de vandalisme ainsi que de pillage. À ce sujet, le présidium de l'AMUKA fait les observations et recommandations ci-après. 1.
Depuis plus de 20 ans maintenant, la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, a produit des rapports très fouillés sur la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Dans ce cadre, il nous semble que les Nations Unies connaissent la situation qui prévaut dans l'est de notre pays et sont donc en mesure d'identifier les acteurs et les tireurs de ficelles de cette situation. 2. La population civile congolaise est exténuée et sa résilience a atteint la limite de son élasticité. Les Congolais ne demandent pas autre chose que la fin des massacres des filles et fils de la RDC. 3. Le ras-le-bol exprimé à travers les manifestations observées interpelle le monde entier dans le sens de l'urgence d'un pas supplémentaire et décisif de manière à prévenir des potentiels débordements additionnels malheureux et incontrôlables. Ainsi, le présidium de l'AMUKA réaffirme qu'aucune manifestation légitime des compatriotes congolais dénonçant la passivité des institutions, tant nationales qu'internationales, face aux massacres et tueries des civils commis à l'est du pays ne peut en aucun cas, justifier la répression barbare par la police et surtout l'escalade de violence observée actuellement. Le présidium met en garde tous ceux qui, de près ou de loin, et pour des raisons obscures, alimentent des tensions ethniques dans le but de noyer la réalité de l'agression contre notre pays, de l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays et nourrissent des visées expansionnistes au détriment de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays. Le présidium recommande que le Conseil de sécurité puisse urgentement demander à toutes les forces armées étrangères se trouvant sur le territoire de la RDC de le quitter immédiatement et sans condition. Le présidium demande aux Nations Unies de lever le voile sur l'identité réelle des groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC et de pointer du doigt les responsabilités de chaque acteur. Il est en effet plus que temps de savoir qui tue à Goma, à Rutshuru, à Beni, à Masisi, à Butembo, en Ituri, au sud Kivu et ailleurs dans l'est de la RDC. Et pourquoi? Le présidium demande aux Nations Unies de mettre en place un tribunal pénal international sur la RDC afin d'examiner le rapport MAPI et d'en tirer toutes les conséquences possibles, car l'impunité ambiante actuelle ne peut plus être tolérée. Le présidium recommande aux Nations Unies d'encourager la tenue d'un dialogue entre Rwandais, entre Ougandais et entre Burundais, en vue d'une réconciliation plutôt que de soutenir des opérations militaires mixtes qui exacerbent les tensions et endeuillent les Congolais sur leur propre sol. Les citoyens de ces pays se trouvant à l'est de la RDC doivent regagner leur pays
respectifs. Le Présidium relève qu'au stade actuel, la RDC est un pays, est un État failli, une véritable poudrière dont l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs constitue un facteur aggravant de l'instabilité. Pour le Présidium de la MUCA, il importe de vider les temps des frustrations de la population et de l'absence de confiance de celle-ci vis-à-vis des institutions illégitimes ainsi que des animateurs irresponsables et complices. Le Présidium exhorte la population congolaise à la vigilance, à ne pas se laisser piéger par le démon de la division sous forme de conflits communautaires qui, en fait, nous distrait, nous éloigne de l'essentiel et cause sérieusement du tort à la nation au profit des ennemis de la République. Le Président appelle la population congolaise entière, ainsi que toute personne éprise de paix, à manifester leur solidarité à l'égard de nos populations de l'Est en proie à une campagne d'extermination. Enfin, le Présidium condamne le silence assourdissant de la télévision nationale, RTNC, et de certains médias internationaux sur le drame et les atrocités dont les Congolais sont victimes. Faites à Kinshasa le 13 avril 2021, où le Présidium de la MUCA, Adolphe Muzitu, coordonnateur, et Martin Fayulu, président élu. Je vous remercie. Merci, chers camarades. Nous voici arrivés au terme de la visibilité. Je vais vous demander de vous lever une fois de plus pour clôturer avec les annonces. Hein. De vous, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressant nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent, par le labeur. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.